entre Lan Mahamar sur pardon, il y a mon ordinateur qui me fait des blagues là, je ne sais pas de quoi il est, ce qu'il me veut. Ça y est. Donc, nous avons terminé la fois dernière notre Mahamar sur Chavuot, qui nous a pris pas mal de semaines et même de mois. À partir d'aujourd'hui, nous allons bien sûr entrer dans un nouveau sujet. Et en particulier, nous allons donc parler de toute cette période dans laquelle nous allons entrer, la période des 3 semaines. Et bien entendu, on va lui trouver un sens plus profond. Alors, ça, c'est un mamar, bien entendu, comme tous ceux de l'écoute Torah, c'est un mamar du Hanoura Zaken qui a été choisi par le Tzemar Tzedek pour faire partie de ce texte. Donc, si vous voulez, nous allons tout de suite regarder, et le passouk sur lequel nous allons nous attarder, c'est un passouk très connu, en réalité, qui est lié avec toute l'idée des 3 semaines, etc. Tzion be'mishpat tipadé, veshaveh abitzaka, Tzion sera libéré par la justice, Ve Shavea et ses prisonniers, Bitzdaka par la Tzedaka. Alors, en réalité, il y a une question implicite à laquelle on répondra plus loin dans le Mahamar. Il y a une question implicite, mais qui n'apparaît pas de manière très. Mais cette question n'apparaît pas à l'évidence. En tout cas, elle n'est pas posée. La question se soulève d'elle-même sur le premier passouk. Sion de Mishpati, pas de Veshavé. A priori, ici, on a une répétition flagrante. D'un côté, on nous dit que Sion est libéré donc par la justice, et le passouk continue et dit Eshavéa, et ses prisonniers par la Tzedaka. Mais a priori, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a dit deux fois la même chose dans ce passouk. Tzion, donc, quand on libère Tzion, on libère en même temps les prisonniers. Je veux dire, quelles sont les deux choses à quoi on veut faire référence ici? Comme s'il y avait deux sujets différents, deux degrés différents. D'un côté, un degré de Tzion qu'il faut libérer, et d'un autre côté, un degré de Shavéa, les prisonniers, qu'il faut également libérer. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ça d'un seul coup? En vérité, le passouk aurait pu très bien nous dire Tzion veshavea, on va libérer Tzion et ses prisonniers par le Mishpat ou par la Tzedaka, on va voir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous l'aurait pas dit en une fois? Le fait que le passouk éprouve le besoin d'en faire deux membres d'une même phrase, c'est parce que très clairement, il doit y avoir ici deux idées différentes. Alors, on va essayer de répondre à cette question, bien sûr. Comme toujours dans l'écoute des Torah, on va faire pas mal de détours pour y répondre. Alors, qu'est-ce que l'on voit? D'abord, premier détour. Inéctive. Il est écrit Vayu advarim aele asher anochi metzavra ayom. Et voici ces choses, ces paroles que je place devant toi aujourd'hui. Donc, il s'agit bien sûr des mots de la Torah. Les lois de la Torah, Dieu dit, je place tout cela aujourd'hui devant toi. Aujourd'hui. Alors, le commentaire est très connu, c'est un commentaire très classique qui nous dit pourquoi Dieu précise-t-il, je les place Hayom, aujourd'hui. Pirouche, Kai al Kolyom. Dieu veut nous dire, Hayom, c'est que c'est aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui. On parle de tous les jours. Parce que c'est ce que la leçon qu'en tirent les Chachamim, les paroles de la Torah, les enseignements de la Torah doivent être considérés chaque jour à tes yeux comme nouveaux. On ne peut pas considérer qu'il s'agit de quelque chose que Dieu nous a donné il y a 3 500 ans ou quelque chose comme ça et qu'ensuite nous les mettons en pratique. Non.
Ce qu'on nous dit, ça n'est pas cela, c'est qu'ils doivent être à nous considérer comme s'ils nous avaient été donnés aujourd'hui. Ils sont Kechadashim, ils sont véritablement comme nouveaux. Évidemment, on a une question là-dessus. Bon, l'idée est connue, elle est évidemment importante, les paroles de la Torah, les commandements de la Torah ne sont pas d'anciennes choses qu'on pourrait peut-être négliger à l'usage ou regarder avec un certain désintérêt. Pas du tout. Bien au contraire, les mots de la Torah sont des mots, les paroles de la Torah sont au contraire des paroles et des commandements qu'on doit considérer constamment comme actuels. Maintenant, c'est une question en soi. Parce que si on regarde la nature humaine, c'est que si on nous commande de faire un acte régulièrement et de refaire tous les jours le même, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va parvenir à le considérer sincèrement comme nouveau? Première fois, oui, on va le faire avec enthousiasme. Effectivement, c'est nouveau. Deuxième fois, troisième fois. Mais tous les jours, exactement de la même manière. Comment peut-on imaginer qu'on va le faire comme cela? Ce n'est pas possible. C'est la nature humaine que l'habitude finit par user l'enthousiasme. Or, ici, la Torah vient de dire non, non, pas du tout. Il n'y a pas d'habitude. C'est tous les jours comme nouveau. Mais comment on peut le faire de manière sérieuse? Comment est-ce qu'on va parvenir à un tel degré? Parce que ça n'a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais c'est en réalité un très haut degré, puisqu'il s'agit de dire c'est nouveau, je viens de l'avoir. En vérité, on va le comprendre d'une autre façon. Pour répondre à cette question-là, on va encore faire un petit détour. Veyuvan Begdem, on va comprendre d'abord. Kine Tachlit Yiridat Aneshamot Milmala Shayusham Kodem Sheshet Yime Breshit. Le introduction. Pourquoi, qui est une des grandes questions classiques, bien sûr, pourquoi les Neshamot sont descendus dans ce monde? C'est bien sûr la question. Les Neshamot sont près de Dieu, elles sont au plus haut des degrés spirituels, et puis voilà qu'elles doivent descendre dans ce monde. Pourquoi? Le but de la descente des Neshamot, d'en haut. Or, les Neshamot, elles étaient en haut. Mikodem, Sheshet, Yeme, Bereshit. Elles y étaient avant les six jours de la création. Les Neshamot, comme on le sait, nous on a déjà rencontré l'idée, ne font pas à strictement parler de la création. Il la précède. Pourquoi? Comment le voit-on? Alors, Mouazaken nous apporte une illustration concrète. Kia malachim, she nitavu b'maase breshit b'ruach piv yidbarer, yesh omrim b'sheni, v'yesh omrim b'chamishi, v'of yeofef chulu. V'of zemichael chulu. Parce que comment on le voit pour les malachim? Mais les malachim sont bien sûr des créatures spirituelles très hautes. Elles sont à un degré extraordinaire par rapport à nous, quand on les regarde d'en bas. C'est tout à fait spécial, ça n'a rien à voir avec les limites du monde matériel. Et pourtant, que voit-on? Que les malachim eux-mêmes ont été créés pendant les six jours de la création, par le souffle de la bouche de Dieu, comme il a créé toutes choses dans les mondes matériels, dans le monde matériel ou dans les mondes spirituels. Et il y a une discussion d'ailleurs entre les Chachamim. Quand les Malachim sont apparus dans la création? Alors comment on dit? Il y en a qui disent que c'est le deuxième jour de la création. Yeshomrim Bechamishi. Il y en a qui disent que c'est le cinquième jour de la création. Et ceux qui disent que c'est le cinquième jour, ils le rattachent au Pasuk, Of Yofef, que l'oiseau s'envole. Et ils ajoutent, le V-off, pourquoi on a besoin de V-off ici, et l'oiseau, c'est Michael. C'est-à-dire c'est Malach Michael qui est aussi représenté en dehors de la création matérielle d'oiseaux dans ce monde. Ça représente aussi les anges, dont Malach Michael. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que les Malachim, eux, apparaissent dans le cours de la création. Deuxième jour, cinquième jour, de quelque manière qu'on interprète, mais de toutes les façons, nous les voyons apparaître à un moment donné de la création. Avala Neshamot, mais les Neshamot, Shenim Shechu
Miprinat Marshava. Les Neshamot sont venus non pas du degré de Dibour, on a dit que les Malachim ont été créés comme le reste, par le souffle de la bouche de Dieu, si l'on peut dire. Autrement dit, par la parole de Dieu qui fait exister toute chose. Mais, à propos des Neshamot, qu'est-il écrit ? Israël Aloub Marshava. Les Neshamot juives sont montés dans la pensée. Autrement dit, ils n'ont pas été créés par la parole, comme le reste de la création, mais par la pensée. Qu'est-ce que ça signifie ? La pensée, elle, préexiste à la création. Pourquoi ? Parce que la création, c'est le résultat du dibour, de la parole de Dieu. Dieu crée par sa parole. Quand on parle de la pensée, cela veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au degré où Dieu va faire apparaître sa parole de telle manière qu'il va créer le monde. On est donc avant la parole. On est au niveau de la pensée. La pensée, c'est Neshama, donc avant la création. Or, ça, c'était Kodem Sheshet Yimei Breshit. C'est avant les six jours de la création. Ukma Amar Razal, mais comme les Chachamim nous disent, les Chachamim nous disent, Beminimlach, Benishmotem Shel Tzadikim. Par ailleurs, comme nous disent les Chachamim, Dieu est-il écrit ? On le voit dans les psukim. Il pose cette question à l'occasion d'un des psukim qui débute la création. Et il demande Beminimlach. À qui Dieu, si on peut dire, a-t-il consulté pour créer l'univers ? Et ils répondent, alors bien sûr, tout ça est à prendre avec beaucoup de sens métaphorique. Dieu n'a pas besoin de consulter, il n'a pas besoin d'avoir des opinions diverses. Il n'y a pas de discussion. Mais malgré tout, on voit apparaître dans un passage qu'il y a un pluriel. Et ce pluriel indique que Dieu voit les choses avec d'autres, avec quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un ? Il n'y a rien. Nous sommes avant la création, puisqu'il s'agit de consulter. Donc le monde n'existe pas encore. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc dans ce cas-là, pourquoi emploie-t-il une formule qui laisse entendre qu'il va consulter, comme on a dit ? Or, les Chachamim répondent, « Benishmotem shel tzadikim » Il a été consulté les Neshamot des tzadikim. « Velo tzadikim levad » Et en réalité, ce n'était pas uniquement les tzadikim au sens strict, « Ela kederkim » Mais comme il est écrit, « Ve'amer kulam tzadikim » Et comme il est écrit que dans ton peuple, dans le peuple juif, il n'y a au niveau le plus profond, il n'y a que des tzadikim. Ce qui veut dire que Dieu a consulté, entre guillemets, les neshamot juifs. Si on fait le total de ce que l'on vient de dire, nous venons donc de dire que les neshamot existent bien au niveau de la pensée et donc avant la création. Et donc, on a bien sûr la question traditionnelle, comme on l'a dit, pourquoi la Neshama doit-elle descendre ? Pourquoi doit-elle descendre dans ce monde ? Elle est à un degré tellement haut, elle n'appartient pas vraiment à la création, elle la précède. De l'unité de Dieu de manière visible, pourquoi doit-elle descendre ? Alors, bien entendu, la réponse est connue. Viyeridatan begouf, puisque nous observons qu'elle descend, et c'est une vraie descente. Yeridatan begouf utsorechalia, leur descente dans le corps, puisque, encore une fois, il s'agit d'une descente plus qu'une vraie descente, c'est une descente dramatique. Elle est tellement haute, elle est unie avec Dieu. Et elle doit descendre dans notre univers matériel avec toutes les limites de l'univers matériel. Vraie descente. Or, cette descente dans un corps, avec tout ce que ça implique, on ne peut pas dire qu'elle soit descendue juste comme ça. La seule façon de comprendre la raison d'être de la descente, c'est de bien percevoir que c'est « Hutzorech Aliyah ». C'est pour une élévation. Si ce n'est pas pour une élévation encore plus haute que ce qu'elle avait auparavant, on ne la ferait pas descendre. À quoi sert de faire descendre la Neshama si ça n'apporte rien
Au contraire, ça n'apporte qu'une descente, parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça n'apporte qu'une descente. Elle perd de degré. Pourquoi la faire descendre? Alors, pour comprendre ça, il faut encore développer un peu. Oulavin, Inyana Aliyah. Il faut comprendre ce que ça veut dire, cette idée de Aliyah, cette élévation. Pourquoi? Mahar Shegam Belavari, Aloub Marshava. Puisque quand on parle d'une Neshama, l'élévation existe déjà. La preuve, il est dit que les Neshamot, comme on a cité tout à l'heure, contrairement au reste de la création qui est créé par le Dibour, par la parole de Dieu, en ce qui concerne les Neshamot, c'est Aloub Marshava. Il faut prendre les mots, bien sûr, au sens strict, Aloub. Les Neshamot sont montés dans la pensée. Ce n'est pas seulement une manière de dire que Dieu y a pensé. Le mot « alou », monter, implique, c'est le même mot que « alia », implique une élévation. Donc ici, cela veut dire que la Neshama, quand elle apparaît, a déjà une élévation. « Alou bemarshava ». Mais si elle a déjà une élévation, pourquoi doit-on l'envoyer en bas en disant « cette sœur alia, c'est pour l'élévation », mais elle a déjà eu par nature cette élévation. Or, on fait connaître une très grande, très grave descente à la Neshama uniquement pour ça. Alors, pour répondre à cette question-là, on va développer un point, une petite phrase que l'on dit tous les matins dans les brachot du matin. « Ine yesh lomar pirush » Neshama Shenatatabi Teorahi Khul. Il faut comprendre le début des brachot qu'on dit tous les matins. On est en train de dire la Neshama que tu m'as donnée, Teorahi, elle est pure, Khul, etc. Veo Trila Tatfila. Et ça, c'est le tout début de la Tfila le matin. C'est par ça qu'on commence en réalité. Gam Kodem Le Ashar Yatsa. Même avant d'avoir dit la bracha qui affirme la vie qui recommence, le Ashar Yatsa, Mushkatu Bigmara, comme la Gemara l'écrit, comme fait expliquer là-bas, Perek Batra de Brachot, dans le dernier chapitre de la Gemara Brachot, Dav Samer Hamud Bet, Ki Metaer Meshinato Omer, Elokai Neshama Shantatabi Teorai, que là-bas tout de suite, la Gemara le dit clairement, elle dit dès qu'il se réveille de son sommeil. Alors dans ce cas-là, immédiatement, on va dire « Elokai neshama shanta tabi teorahi chul ». Alors, de quoi nous parle cette phrase en réalité? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on fait que dans les mots de cette phrase, nous voyons la descente progressive de la neshama de monde en monde, jusqu'à ce qu'elle s'habille à l'intérieur de nous-mêmes. Prenons le premier mot. Il va nous parler du premier mot. Théora, I, elle est pure. Ensuite, on a Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefartabi. Donc, si on traduit simplement, elle est pure. Ata Berata, tu l'as créée. Ata Yetzarta, tu l'as façonnée. Ata Nefartabi, tu l'as insufflée en moi. Il ne faut pas oublier la fin. Ve'ata meshamra bekirbi. Et tu la conserves en moi. Alors, reprenons terme à terme. Quand on dit Théorai, si on le prend au sens simple, elle est pure. On ne comprend pas bien de quoi on parle. Parce qu'en vérité, la Neshama, par définition, est pure. Monde. Qu'est-ce qu'on vient nous dire Théorai, elle est pure. Ça va de soi. D'autant plus qu'ensuite, on nous dit comment elle descend. On dit ensuite, Brata. Brata, tu as créé, qui nous renvoie à l'idée de Bria, le monde de Bria. Deuxième monde, en partant du haut. Puis ensuite, Ata Yetzarta, tu as façonné, Yetzarta, Yetzira, le monde de Yetzira. Troisième monde, toujours en partant du haut. Et Atan et Fartabi, tu l'as insufflé en moi, c'est quand la Neshama descend à un autre degré en nous, dans le monde de Asya. Donc Théorahi, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement
la constatation de la pureté. Théoraïf est le plus haut des mondes, le monde de Hatzilut. Pourquoi le monde de Hatzilut? Parce que c'est encore avant la création en réalité. Enfin, c'est déjà dans la création, mais ça n'est pas véritablement un monde créé à part entière. Pourquoi? Parce que la notion de création implique qu'on se sépare du Créateur pour exister en soi, en nous-mêmes. Monde de Hatzilut n'est pas totalement séparé du Créateur. Il est au contraire uni avec lui. Et ça, c'est le degré de, c'est le début de toute chose. C'est de là-bas que la Neshama part. Elle est attachée uniquement avec Dieu. Et c'est ce que veut dire Théora. Pourquoi? Elle ne se ressent pas encore comme possédant une existence autonome. C'est au fur et à mesure de la descente qu'on vient de dire. Bria et Tzira, et bien sûr dans notre monde, Asya, c'est dans, au fur et à mesure de cette descente que la Neshama va commencer à avoir le sentiment de son existence. Mais jusque-là, non. Le mot Théoraï, ça vient même d'un degré plus profond que ça, même à l'intérieur de Hatzilut. C'est Meprina Tiaroïla, du degré de la pureté supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de Hatzilut, où il n'y a pas vraiment de création, comme on vient de le dire, on va noter deux degrés. Tiaruf, dans les termes de la Kabbalah, Tiaru Tata et Tiaruila, la pureté supérieure et la pureté inférieure. Tiaru Tata, la pureté inférieure, correspond au monde de Hatzilut, qui est totalement pur, comme on est. Alors Tiaruila, Tiaruila, c'est le degré qui est au-dessus d'Hatzilut, qui le dépasse, l'essence de Dieu qui est à ce niveau. Eh bien, ce qu'on est en train de nous dire. Premier degré de la Neshama, c'est celui-là, Théoraï. Elle vient du degré de Tiaruïla, degré qui dépasse le monde de Hatzilut, degré qui est totalement uni avec l'essence de Dieu. Vaharkar, et c'est ensuite. Ata verata, tu l'as créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouj Bria, Ainu Yesh Me'aim. Que ça veut dire Bria, tu as créé? C'est-à-dire Yesh Me'aim. L'existant à partir du néant. Alors, bien entendu, c'est le pshat de l'expression Yesh Me'ayin, c'est le sens premier, mais il y a un sens plus profond, comme on l'a déjà vu dans Yesh Me'ayin, c'est que plus on descend, plus on se ressent comme un Yesh, comme un existant. Plus on monte dans les degrés, plus rien n'existe, rien ne se ressent, rien n'existe en soi. Rien n'apparaît, tout est lié à Dieu. Alors, c'est presque le contraire en réalité. Le vrai Yesh, la vraie existence se trouve en haut. C'est nous qui sommes néants, puisque toute notre existence dépend uniquement du fait que Dieu nous crée constamment. Mais la notion de bitoul devant Dieu, d'annulation, d'effacement de soi, cette notion-là apparaît avec plus de force, plus on monte dans les degrés spirituels. C'est ce que veut nous dire ici. À ce degré-là, la création apparaît, c'est-à-dire Yesh Me'ayin, puisqu'on descend maintenant. Alors chaque élément créé prend une notion de Yesh, il existe. Alors que plus on monte, c'est Aïn, ça n'existe pas, seul Dieu existe. Donc de degré en degré, Ad Nefar Tabi, jusqu'à ce que tu me l'insuffles en moi, c'est-à-dire, la Neshama se revêt à l'intérieur du corps pour le faire vivre. Donc, on est là au degré de la descente complète, descente dans ce monde matériel. Maintenant, précise le texte de la bracha, comme on l'a dit. Ve'ata meshamra, et toi, tu la gardes. Meshamra bekirbi, dit la phrase complète. Tu la gardes à l'intérieur de moi. Quel est le problème? Et c'est qu'il y a besoin d'une intervention de Dieu pour que la Neshama reste dans le corps. Shelo tetse me'aguf, pour que la Neshama ne quitte pas le corps. Pourquoi est-ce qu'il faut une intervention spéciale de Dieu? C'est ce qu'on est en train de dire. Si Dieu n'intervenait pas, s'il n'y avait pas ce Ata Meshamra Bekirbi, tu la conserves en moi, la Neshama quitterait le corps. Pourquoi?
parce qu'il y a une différence de nature radicale entre le corps et la Neshama. La Neshama est entièrement spirituelle et lien avec Dieu. C'est sa seule définition. En revanche, le corps est grossier. Le corps est grossier, est un voilement devant la lumière divine. Donc, en réalité, logiquement, le corps et l'âme ne peuvent pas coexister. Alors, c'est vrai que ça semble un peu étonnant de le voir comme ça, parce qu'on a tous été éduqués avec l'idée que c'est la Neshama qui fait vivre le corps. Mais c'est cela qui est extraordinaire. C'est que la Neshama fait vivre le corps, mais en même temps, le principe, ce qu'est la Neshama, c'est complètement à l'opposé de ce qu'est le corps. Alors, comment réaliser la paix entre les deux? C'est comme si on disait, eh bien, il y a le feu à l'intérieur de l'eau, par exemple. Ce qui est absurde, puisque les deux sont totalement opposés l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas exister en même temps. Alors, pour cela, c'est pour cela qu'il faut une intervention divine. Comme on le dit un peu plus loin dans le texte de la Tfila, Dieu est mafli la'asot. Il est celui qui est prodigieux pour agir. Qu'est-ce que c'est un pélé, mafli, pélé, un prodige? C'est quelque chose justement qui dépasse les lois de la nature. C'est quelque chose qui n'est pas explicable dans les mots des hommes, qu'on peut constater et décrire, mais qu'on ne peut absolument pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit justement de mettre ensemble des contraires. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Ici, Dieu, dans sa qualité de mafli la'asot, de toute puissance, mais beaucoup plus que cela, comme on l'a bien compris, qui peut mettre ensemble des choses qui normalement ne peuvent pas vivre ensemble, fait en sorte, en étant meshamra, en conservant la neshama dans chacun, que la neshama ne quitte pas le corps. Veo beprinat makif. Et cela, c'est dans un degré de or makif. Pourquoi or makif? On a déjà vu également cette idée-là. Il existe deux types de lumière divine. Le or makif, la lumière entourante, et le or pnimi, la lumière pénétrante, profonde. Qu'est-ce que veulent dire les deux? Un or, une lumière, est appelé makif parce qu'elle ne peut pas justement pénétrer. Alors, entendons-nous bien encore une fois, ce n'est pas une description matérielle. Le or est pénétrant, il est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on appelle lumière pénétrante et ce qu'on appelle lumière enveloppante est de toutes les façons à l'intérieur de l'élément que les deux lumières créent. Mais dans un cas, la différence, c'est que le or makif est beaucoup trop puissant pour pouvoir se revêtir à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de la chose qu'il crée ou qu'il maintient à la vie. Et donc, pour cela, il ne va pas pénétrer. Il va rester autour, d'où l'idée de lumière enveloppante, même si ce n'est pas à prendre au sens strict, comme on a dit. Ce qui veut dire, à l'inverse, que cette lumière est extrêmement puissante. Si elle est maintenue dans une situation de makif, c'est justement parce qu'elle est trop puissante pour pouvoir pénétrer. C'est-à-dire, karor enso ba'oru. C'est comme cela, si l'on peut dire, que procède le or ensof. Le or ensof ba'oru, sovev kol almin, umemale kol almin, détient ces deux types de lumière. Bien sûr, il est ces deux types de lumière. Il est sovev kol almin, il entoure tous les mondes, et il est memale kol almin, et il pénètre, il remplit tous les mondes. Il entoure les mondes, parce que la lumière, il donne une lumière de la création, de création générale, trop puissante pour pénétrer dans chaque degré. Il est memale kol almin, il emplit tous les mondes parce que c'est une lumière qu'il adapte à chaque degré où cette lumière doit apparaître, et donc elle peut pénétrer. Velo chez sovev milmala, ce n'est pas que quand on dit sovev, entoure, ce n'est pas qu'il entoure d'en haut. Rak shebechol ata upina. C'est simplement que
dans chaque coin, dans chaque endroit, peu importe, il remplit l'endroit comme s'habille la vitalité dans la créature. Vesovev Milmala, mais en même temps, il est Sovev. En même temps, il entoure d'en haut. Qu'est-ce que c'est que cet entourage, si l'on peut dire? C'est Beprinat Shmira. C'est pour garder. Chez Lo Yivsok Achayud Veyetse, pour que la vitalité ne s'arrête pas et qu'elle s'en aille, qu'elle sorte. Vain Mashkatu Bebiur Al Pasuk Levavti Achoti. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que Dieu est à la fois Sovev et Emale. Pénètre, entoure. Pénètre pour donner la vitalité, entoure pour que la vitalité y reste. Parce qu'il faut cela, qu'une vitalité spirituelle s'habille dans un élément matériel sans jamais en partir. C'est tellement impossible, tellement paradoxal, qu'il faut l'intervention de Dieu spécial pour que le phénomène se maintienne et se perpétue. C'est exactement ce qui se passe avec la Neshama. Et c'est ce que nous disons. La Neshama, nous l'avons vu descendre, d'abord, comme on a dit, Teorahi, Tiaruila, plus haut que Hatzilut, puis Nefartabi, Bria, Yetzira, jusque dans notre monde de Asya. Mais ensuite, surtout, Atam et Sham Rabbi Kirbi, tout ça, c'était comment elle descendait, dans une façon de pénétration de chacun des éléments qu'il faut faire vivre, jusqu'en nous. Mais ensuite, Mesham Rabbi Kirbi, ça c'est le Sovev, la lumière qui entoure. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas s'habiller, mais elle doit être puissante. Parce qu'il s'agit de réaliser un vrai paradoxe, de faire que du pur spirituel, la Neshama, descende dans le corps matériel, le fasse vivre et ne le quitte pas. Et ça, c'est l'intervention constante de Dieu. Une question. Oui. On comprend le phénomène, enfin, on comprend le phénomène que la Neshama, elle a envie de monter, que Dieu doit intervenir, etc. C'est parce que Dieu, il veut qu'on fasse dira Betartodim et tout ça. Mais pourquoi, après, on dit Modéani Lefanecha, on le remercie qu'il nous l'a gardé. Si la Neshama, elle veut monter, et que lui, il intervient pour qu'elle reste, pour qu'on fasse notre mission, ok, mais est-ce qu'on doit le remercier pour ça? Parce que nous, on veut retourner vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit... Non, mais le fait de dire Modéani, il y a... chez la Tata Bitora, après on dit Modéani Lefanecha, la suite du pasouk, on le remercie que la Neshama, elle reste dans notre corps. Mais d'abord le remercier. On n'a pas envie de remercier, puisque la Neshama, elle a envie de monter. Modé n'est pas vraiment remercier. Hein. On traduit toujours par remercier, ce qui est vrai. C'est le sens premier. Mais Modé, on va en reparler. Justement, le Mahamar va en reparler. Modéani, c'est aussi c'est d'abord la Shon Oda, reconnaître. Je suis d'accord avec Dieu. Comme d'ailleurs le texte, un petit peu plus loin, va donner lui-même l'exemple. On va le retrouver. Et ils nous disent, qu'est-ce que c'est Modé? C'est comme on trouve dans la Gemara l'expression que les Chachamim, Modim, ils sont Modé, Arabi Meir. Peu importe le cas, hein, c'est juste un passage. Et le Likutei Torah reprend ce point-là en disant qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là. C'est-à-dire les Chachamim, ou l'inverse, peu importe, acceptent les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir accepte les paroles des Chachamim, peu importe. Ça veut dire quoi? Que l'idée de Modé suppose qu'il y avait une discussion, un désaccord préalable, et que maintenant, après un échange, on accepte, on reconnaît ce que l'autre avait dit. Donc, ça donne un autre sens à Modé, mais on va y revenir, puisque ça fait partie des tables du service de Dieu. Pourquoi on remercie qu'il la maintient en nous, la Neshama, qu'elle ne s'en aille pas. On le remercie de ça. Et pourquoi on doit le remercier? C'est ça la question. Parce que sinon, on mourrait en quelque sorte. On ne mourrait pas. La Neshama, qui est ce que nous sommes vraiment, la Neshama remonterait vers Dieu. En quoi c'est un problème? Oui, mais il nous a créés. Donc, il maintient la Neshama dans le corps et on le remercie pour ça. Alors, c'est ça qu'on a dit, ce n'est pas remercier seulement. On va le regarder plus loin. Mais il y a encore autre chose qu'il ne faut pas oublier quand on parle de ce sujet.
ce qu'on a dit au début du Mahamar. On a dit fait Yirida Tzorech Aliyah. La Neshama connaît une très grande descente. On l'a décrite, on vient de la décrire. Maintenant, on ne peut pas dire que la Neshama descende pour descendre. Ça veut dire, d'accord, elle a une mission à accomplir, mais pourquoi la faire descendre? Eh bien, faites Tzorech Aliyah. Elle va avoir une élévation qu'elle n'aurait jamais pu avoir autrement. Il faut comprendre laquelle. Qu'est-ce que c'est que cette élévation? D'après ce qu'on a dit, elle vient de Tiaruila. Elle vient de ce degré au-dessus de Hatzilut. Quelle élévation il peut y avoir de plus? Ah, justement, c'est qu'en réalité, on va le voir un peu plus loin. La Neshama, on lui rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui a rajouté par le fait qu'elle soit descendue? On lui a rajouté justement la force en question. Cette force que Dieu a donnée pour que la Neshama reste dans le corps. Dieu ne la contraint pas. Il donne encore une force qu'on a appelée ici le Or HaSovev, la lumière qui enveloppe, qui entoure. Et c'est avec cette lumière donc infinie que la Neshama reste dans le corps et qu'on peut réunir à la fois le corps grossier, matériel, avec la Neshama spirituelle. Autrement dit, elle en retire quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu avoir avant. Donc il faut qu'elle reste dans le corps. Il faut aussi qu'elle veuille en sortir, parce que sinon la force de Dieu, de le Koach HaMafli, la Hasot, comme on a dit, c'est faire coexister des antithèses, un paradoxe constant. Eh bien tout ça, c'est la Neshama qui le reçoit en plus de ce qu'elle avait avant de descendre. Et justement, on va parler de feu Modéani. De feu qu'on dit après, justement. Une fois qu'on a dit ça, on dit tout le temps que la Neshama est en moi, Modéani. On va voir tout de suite. Vine, Kolzman, Sha Neshama Bekirbi. Et tout le temps que la Neshama est Bekirbi en moi, c'est la suite du texte d'Atfila. Modéani. Alors on va dire je reconnais. C'est-à-dire, Shekol Echad Ve'Echad. Et on voit que c'est vrai pour tout le monde. C'est intéressant parce que c'est des phrases, en réalité, à la limite. Le degré tellement élevé, etc., on aurait dû réserver ça pour les tzadikim. Tzadikim peuvent reconnaître. Je reconnais. Shekol echad ve'echad yachol leodot l'Hashem. Que tout le monde peut reconnaître. Le aval acharkar. Mais on voit qu'ensuite, ça ne suffit pas. On ne s'arrête pas là. Ensuite, on tzarech liot baruch ata Hashem. On commence les brachot. Baruch ata Hashem. Or, fait brachot, pourquoi on les dit après? Après avoir dit modé. Ou madrega gavoa yoter miprinatoda. C'est un degré beaucoup plus élevé que le degré de oda. De simple reconnaissance. Donc, on va avoir Oda comme instrument du lien avec Dieu. On va avoir après un autre degré, Bracha. D'ailleurs, on le voit, fait pas seulement dans ce passage d'Atfila, c'est même le plan général de l'Atfila. Tous les jours. Par quoi commence-t-on? Par une idée de Oda, Modéani, Odu. Et une fois qu'on a eu la Oda, alors, on va arriver à la bracha. Shmoné Esrei. C'est justement l'idée de bracha. Mais entre les deux, ce qu'on ne dit pas ici, mais on va y revenir. On n'a pas dit à cet endroit-là du Mahamar, mais ça vient plus loin. Il y a un passage intermédiaire obligatoire. Et c'est comme ça qu'il est dans le plan général de l'Alfila. Il y a Ahava, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme on voit, toujours dans l'Alfila, on a eu Modé, Oda. Et avant d'arriver à Bracha, le Shmoné Esrei, Yashma Israël, Ve'afta, tu aimeras. Autrement dit, il y a ces trois points. Ava, la Ava, c'est l'intermédiaire entre la Hoda'a et la Bracha. Et on va l'expliquer un petit peu plus loin. Oula Vinze, on va comprendre de quoi il s'agit. Umao Oda, et qu'est-ce que c'est d'abord Oda? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pas seulement remercier. Qui modim chachamim le Rabbi Meir.
comme on lui en envoie une illustration dans le texte d'Agmara, qu'on nous dit Modim à Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il Modim? C'est quoi Modim? C'est pas qu'il le remercie. Les fiches chez Mechulakim Trila. Ça veut dire qu'au début, ils étaient en désaccord. Un moment, après discussion, ils expliquent leur point de vue, etc. Modim le Rabbi Meir. Ils reconnaissent que Rabbi Meir a raison. Très bien. Mais si on applique ce principe-là à notre situation, on a un problème ici. Comment peut-on dire ça par rapport à Dieu? On dit Modim Anachno. Nous reconnaissons, mais qu'est-ce que nous reconnaissons? Ça veut dire, on n'était pas d'accord avec Dieu, c'est ce qu'on s'entend. Hein? On n'était pas d'accord. Et à un moment ou à un autre, on dit, bon, allez, on est d'accord. Arkeanu, Shorne Mata, Omrim Sha. Mais alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est que nous, qui demeurons ici-bas, Omrim Sha Briya Huyesh Meain. Qu'est-ce que nous disons? Ben, nous disons en fonction de notre perception, de ce que nous voyons et de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous disons que la création, elle est Yesh Ma'in. L'existence d'Avara Yesh Anirel Enenu. Ça veut dire que le ciel, la terre et le ciel du ciel, c'est-à-dire tous les degrés de l'univers matériel, ça c'est quelque chose qui est visible à nos yeux. Et donc c'est Yesh. On l'appelle Yesh en existant. Ou Machel Mala, ou Aïn. Maintenant, ce qui est plus haut, ce qui est en haut, c'est ça qu'on va appeler Aïn. Ça n'existe pas, puisque on ne le voit pas. Cette vision-là, qui est la vision humaine, et qui ne peut être que la vie, qui peut être, qui est la seule vision qu'un homme peut avoir. Puisque, évidemment, pour nos yeux grossiers, ce qui existe, c'est ce que nous voyons. Donc, n'existe pas, puisque nous ne le voyons pas. Aval et Slo Yidbarer. Mais quand on parle de Dieu, pour Dieu, Ube Eper, Minma Shinirele Neno, c'est exactement le contraire de ce qui nous semble. Kikula Kamekela Mamash Rashiv. Parce que, par rapport à Dieu, rien n'existe. Seul lui existe, il est le seul existant réel. Vechol Mashel Mata. Et donc, quand on dit que c'est comme inexistant devant lui, c'est-à-dire comme rien, comme néant, plus on descend en bas dans les règnes de la création, si l'on peut dire, et c'est Dieu qui est le seul vrai existant. Donc, deux manières de voir l'univers. Soit on regarde comme une créature, c'est-à-dire du bas vers le haut, et on dit, ben, ce qui existe, c'est ce que je vois autour de moi. Le monde existe. Donc le ciel existe. Le ciel du ciel existe. Tout ce qui est créé existe. Mais plus haut, ça, c'est le néant. Et donc Dieu a tout créé à partir du néant. Si on regarde dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, si on peut dire. Enfin, c'est possible. Que ce qui est en haut, c'est la source de toute existence. Et donc, c'est le seul existant. Et ce qui est plus bas, ça, c'est ce qui existe, si l'on peut dire, de moins en moins. Et plus on descend, moins ça existe. Alors, le premier s'appelle Da Tarton, la vision, l'opinion d'en bas. Et le haut, l'autre s'appelle Da Elion, la vision d'en haut, l'opinion de Dieu, si l'on peut dire. Donc, il y a deux manières de voir. Et on peut dire d'une certaine manière que ce n'est pas compatible. Ou alors, on dit que l'existant, c'est nous. Et le Aïn, le néant, c'est en haut. Ou alors, on dit que le Yesh, comme il a dit ici, le Yesh Emiti, l'existence véritable, ça c'est en haut, et donc nous, nous sommes néants. Alors c'est pour cela
Et c'est pour cela que nous disons modim anachno. Nous reconnaissons. Shanu modim shemet ukmo sheu beyediato yidbarer. Que nous reconnaissons que la vérité est comme c'est dans la pensée de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Lui, Dieu connaît et il sait que nous sommes des inexistences et que lui seul est existant. Vekol echad ve'echad mi'Israël yeshbo prinatodaz. Cette reconnaissance-là, elle est la nature, chaque juif. Parce qu'en réalité, en entrant quand même, la Noazaken nous dit ici quelque chose de très fort. Il est en train de nous dire que chacun reconnaît ça. Chacun est en train de dire oui, c'est comme ça. Mais comment? Nous sommes un tout petit degré. Nous sommes très loin de tout ça. Effectivement, pour nous, dans notre conscience, ceux qui existent, c'est nous. Nous sommes un yesh. Comment on nous dit maudim, on nous reconnaissons. Et c'est chaque juif qui le dit. Maudim anachno, c'est nous tous. On n'a pas fait de différence. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, chaque juif a ce degré-là. Ça fait partie de sa nature. Achim kolze, woda, ou. Mais malgré tout, même si c'est quelque chose pour laquelle il n'y a pas d'exception, et chacun possède cette connaissance en lui, malgré tout, la hoda en question, la reconnaissance en question, oui, toi, Dieu, tu as raison. La vraie existence, ce n'est que toi. C'est ce qu'on appelle une hoda merachok. C'est quelque chose de lointain pour nous. Dehaïno. Shebatsmoino etzel vesamur klaze. Shemodé. C'est-à-dire que par lui-même, c'est un homme, c'est une créature avec beaucoup de limites. Ça signifie donc que pour lui, cette connaissance-là n'est pas proche. Elle n'est pas proche, il la reconnaît. Et là, Beprinat Emouna, c'est-à-dire, il le perçoit comment? Est-ce qu'il en est convaincu rationnellement? C'est quelque chose de totalement affirmé en lui. Oui et non. C'est affirmé parce qu'il le porte en lui. C'est dans sa nature. Mais c'est dans une façon de Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? La Emouna, la foi, c'est ce qui est nécessaire quand le raisonnement intellectuel n'arrive plus. Prenons un exemple très simple. L'exemple que donne le Rabbi dans une sira, celui de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, nous dit-on, Chacham Mikol Adam, c'est l'homme. Il a prononcé ces phrases, il les a écrites d'ailleurs. Amarti Arak Ma'avir Echoka Mimeni. Il dit, j'avais dit que j'allais devenir sage, j'allais acquérir la chorma, la sagesse, mais elle est restée loin de moi. Les commentateurs expliquent de quoi parle-t-il. Il parle des mitzvot. Il dit, il voulait avoir chakma, je vais avoir toute la connaissance. Et il a effectivement compris la raison de toutes les mitzvot. Même les mitzvot qui nous paraissent très irrationnelles aujourd'hui. Mais, poursuit-il, elle est restée loin de moi, cette sagesse. Pourquoi? Parce que la raison d'être d'une mitzvah, il ne connaissait pas. Et un degré tellement élevé qu'il n'est pas possible de pénétrer, que même Shlomo HaMelech n'a pas pu le pénétrer. Et donc, il parle, Shlomo, et il dit ça, j'ai pas pu, c'est resté loin de moi. Alors, remettons ça dans notre contexte. Shlomo HaMelech n'avait pas besoin de Emouna pour des tas de choses. Nous, il y a des mitzvot que nous pratiquons par pure Emouna. Ce sont tous les chukim, tous les décrets. Prenons un exemple très simple. Tout ce qui tourne autour des notions de pureté et d'impureté. Ou le chatnez, par exemple, l'interdiction du mélange de lin et de laine. Tout ça n'a pas de raison, à notre niveau en tout cas. Et pure Emouna, comme on vient de le dire. Maintenant, un homme comme Shlomo HaMelech comprenait la raison de tous ces points-là. Ça veut dire qu'il n'avait pas de Emouna.
une émouna sans doute beaucoup plus forte que la nôtre, mais elle ne lui était pas nécessaire pour pratiquer telle ou telle chose particulière. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Eh bien, cette émouna était reportée à un degré supérieur. Et pour Shlomo HaMelech, il n'avait besoin, par exemple, de cette émouna que pour la vache rousse, qui là, lui demandait un effort particulier puisqu'il n'avait pas la compréhension de ce point-là. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons conscience de la réalité de ce que nous ne le sommes pas et nous le reconnaissons. Mais cette connaissance est lointaine. Nous la traitons par la Emouna, Shei Prinat Atara ou Makif. Or, la Emouna, qu'est-ce que c'est? La Emouna, c'est Atara ou Makif. C'est quelque chose qui entoure, comme une couronne. C'est pas profond, ça ne descend pas profondément. C'est quelque chose comme une couronne qui, son nom l'indique, qui couronne, entoure la tête, au-dessus de la compréhension. Eh bien, de la même manière, l'émouna est au-dessus de la compréhension, ce qui fait que c'est une très grande force, mais qu'elle peut ne pas avoir d'influence sur nous, si on ne le veut pas, si on ne l'accepte pas suffisamment. Vélachen. Comme c'est connu l'exemple fameux que nous donnent les Chachamim de ce voleur qui, à l'entrée du souterrain qu'il a creusé pour cambrioler une maison, appelle Dieu à l'aide. C'est-à-dire qu'il croit dans la puissance de Dieu. Ce voleur n'est pas un menteur, n'est pas un hypocrite. Il sait que toute la réussite, tout le succès dépend de Dieu. Donc très clairement, il appelle Dieu à l'aide. Il a oublié un petit point, évidemment. C'est que ce qu'il est en train de faire ne peut pas recevoir l'aide de Dieu, c'est interdit par Dieu. Mais comment se fait-il qu'il ne s'en rende pas compte? Eh bien, justement, au-dessus de la tête, n'est pas pénétré de capacités profondes. Et donc, dans ce cas-là, il pouvait d'une part appeler Dieu à l'aide et ensuite faire exactement le contraire de ce qu'il demande, sans que ça lui pose un problème personnel. Malgré tout, cette conscience-là fait toujours partie de nous-mêmes, mais on le voit, elle ne va pas forcément se révéler. Bon, on peut encore faire une ou deux lignes. Peut-être qu'on va s'arrêter là, et on reprendra là, si vous le voulez bien, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Chaim, oui. Alpi et le Batanti et Akoti. Une référence, je l'ai lu, je ne l'ai pas traduit. Ah. C'est une réinouïdie, comme c'est marqué dans tel autre Mahamar sur ce Pasoukla. Mais comme on ne fait pas le Mahamar, donc j'ai juste lu, mais je ne l'ai pas traduit. Ok, j'ai compris. Merci. Voilà, Shavua Tov à tous. Merci Chaim, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Naïmouna et Makif, donc. Voilà, hein? Il faut le faire rentrer. Il faut le faire rentrer. C'est tout l'enjeu. C'est tout, ouais. Cette paix entre l'âme et le corps, ce shalom, c'est l'un des noms de Dieu, dans le fond. Voilà, absolument. On va y revenir. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, on va voir que le pasuk Tzion Bemishpat Tidkadeh Veshaveh Abitzdaka, ça fait référence à deux degrés. Et c'est pour ça qu'il y a cette apparente répétition. Ok. Allez, bonne journée. Bonne journée.